Le soir tombe sur Eureka. Les chiens manifestent une nervosité inhabituelle. Des loups blancs se sont approchés du camp. Une fourrure parfaitement blanche, c'est exceptionnel, même chez les loups arctiques. De toute évidence, ils se sentent menacés sur leur territoire. Falk Mahnke tente de leur imposer le respect avec un fouet. En principe, les loups n'attaquent pas les hommes. Mais pour les chiens de traîneau, ils représentent un danger réel. Une meute de 7 animaux rôde autour du camp. Fuchs est inquiet. Il décide d'emprunter un scooter des neiges à la station météo pour chasser les loups. Si les chiens semblent peu impressionnés, les hommes par contre le sont. J'en rêvais quand j'étais petit, mais 7 d'un coup, un seul aurait suffi. Voir ces loups en liberté, c'est évidemment exceptionnel. Mais nous sommes obligés de rester sur nos gardes. Les loups restent imprévisibles. La nuit a été calme. Mais les loups sont encore là. Ils flairent les restes de nourriture de la veille et s'aventurent bien plus près du camp que la première fois. Les loups sont toujours là. L'œil curieux, ils rôdent autour du camp. Toutes les tentatives pour les chasser ont échoué. Il est clair qu'ils défendent leur territoire. ⁇ 500 kilos de matériel. Est-ce que les chiens vont réussir à tirer ce chargement ? Un chien peut tirer l'équivalent de son propre poids, à peu près 40 kilos. Nous avons 11 chiens, donc on devrait y arriver. Les chiens sont attelés, le départ est imminent. Mais ils sentent bien la nervosité des membres de l'expédition, et brusquement, ils sont à leur tour très excités. Falk Mahnke n'a plus le choix, il doit intervenir pour éviter que les chiens ne se blessent mutuellement. Enfin, c'est le départ. Arvet Fuchs et Falk Mahnke conduisent le traîneau, tandis que Brigitte Elbrock et Thorsten Heller les suivent à ski en tirant leur poulka avec le reste de l'équipement. Les loups les accompagnent sans les quitter des yeux.
Une aventure à l'issue incertaine, loin de toute civilisation. Trois heures plus tard, le premier campement, à 15 km du point de départ. En effet, Arved Fuchs a décidé de faire une étape assez courte le premier jour pour que les chiens et toute l'équipe s'habituent aux conditions de l'expédition. L'expédition se prépare à passer sa première nuit loin d'Eureka. Le plus important, c'est d'abord d'attacher les chiens. Une routine qu'il faudra observer jour après jour les 6 semaines qui suivront. Attacher les chiens, monter les tentes. Une première surprise les attend. Un ours polaire fait son apparition à proximité du camp. C'est l'occasion pour Arved Fuchs d'apprendre à son équipe les mesures de sécurité indispensables. Ça, c'est pour l'ours polaire. C'est du plomb. C'est pour les ours polaires. Donc, si besoin est, on engage une cartouche dans le canon. Là, vous voyez, il n'y en a pas. Et puis on arme en faisant reculer. Et on tire sur la glace devant lui ? Oui, devant lui. En principe, un coup de feu suffit pour le faire fuir. Fuchs a eu raison d'emporter une arme. Les autorités canadiennes le lui ont accordé. Une mesure de sécurité indispensable. Les ours polaires, contrairement aux loups, n'hésitent pas à attaquer l'homme. Ils sont souvent attirés par les odeurs de nourriture. Ici, on vit et on voyage comme des acrobates sans filet. La moindre erreur se paye comptant et l'on est entièrement responsable de tout ce qui arrive. Si on a oublié quelque chose, personne ne vient vous l'apporter. On est obligé d'abandonner le projet. Ça tourne vite à la catastrophe. Tout est beaucoup plus direct ici. La vie est plus authentique, plus honnête. Phoque congelé au menu pour les chiens. Un vent violent s'est levé pendant la nuit. La température ressentie baisse encore de quelques degrés. Ce n'est pas un problème pour les chiens, mais les membres de l'expédition en souffrent beaucoup. Les préparatifs se révèlent efficaces. Tout est chargé en un tournement. Thorsten Heller et Brigitte Hellerbrock se mettent en route avec leur poulka pour ouvrir la voie aux chiens de traîneau. C'est indispensable. Les chiens des Inuits, peu habitués à ce genre de parcours, ont besoin de repères dans ce désert de glace. Le traîneau risque aussi de se renverser à cause de congères ou de blocs de glace. Les premiers jours, il faut absolument trouver le chemin le plus sûr. Comme une flèche surgit de nulle part, un loup blanc se précipite vers le traîneau. Un peu plus tard, le traîneau à peine reparti, la meute au grand complet attaque.
les loups se jettent sur les chiens. L'un d'eux s'en prend même à un des hommes. Cette attaque des loups a laissé des traces. On savait qu'il y avait des loups par ici, mais je n'aurais pas cru qu'ils s'en prendraient aux chiens. Je trouve ça plutôt inhabituel. Ce sont des attaques concertées et ils ont réussi à mordre un chien sur le flanc. On a réussi à les tenir en respect avec le fouet, mais ils sont encore là, tout prêts, à l'affût. On va bien voir comment ça va évoluer. Il ne faut pas s'y méprendre. Aussi belle soit-elle, cette nature présente de grands dangers. L'île d'Ellesmere est une terre quasiment inconnue sur laquelle très peu d'êtres humains se sont aventurés au cours des siècles passés. De nombreuses expéditions ont échoué à cause des animaux sauvages et des conditions climatiques. Et les rares explorateurs qui s'y sont risqués n'en sont, pour la plupart, jamais revenus. Fuchs progresse péniblement avec son équipe dans le désert arctique. Jour après jour, ils affrontent le froid et la glace. Elle fait 2,50 m d'épaisseur. En dessous, l'océan arctique et ses 800 mètres de profondeur. 4 jours plus tard, les chiens se sont enfin habitués aux conditions de l'expédition. Thorsten Heller et Brigitte Hellerbrock ne sont plus obligés de partir en éclaireur pour ouvrir la voie. Les chiens taillent un chemin à travers la glace et font 20 km par jour en tirant le traîneau. Pourtant, cette expédition représente pour les chiens un effort énorme. Le soir, ils sont épuisés par la distance parcourue et le poids du traîneau. L'équipe est accablée par le froid. Fuchs est encore celui qui résiste le mieux. Quand on a réussi à s'acclimater plus ou moins au froid, ce qui est une question de volonté, on continue bien sûr à se geler, à avoir les mains glacées et à grelotter en souhaitant avoir les mains au chaud. Mais ce n'est plus la priorité. Ça passe un peu au second plan. Moi, si je viens ici, ce n'est pas parce que j'adore avoir froid ou que je suis masochiste, mais parce que c'est tout simplement superbe. Je préfère ça au désert de sable. L'expédition est maintenant à près de 100 km de son point de départ et les loups continuent à rôder autour du camp. Il n'y a pas eu de nouvelle attaque, mais nos explorateurs doivent rester vigilants. Chaque nuit, il faut monter la garde. L'équipe se relaie toutes les 2 heures. C'est une fatigue superflue, car tous auraient bien besoin de dormir pour récupérer. Fuchs et son équipe avancent depuis 6 jours, quand un beau matin, les loups ont disparu. Les hommes sont débarrassés d'un poids énorme et vont pouvoir aller plus vite.